Bien. Alors donc, on va essayer de suivre, de revenir sur la partie architecture distribuée basée sur les microservices. Donc pour voir comment mettre en œuvre donc cette architecture dont je vous ai déjà parlé. Donc nous avons dit que d'une manière générale, l'approche microservice consiste à découper un grand problème en un ensemble de petites applications. Et chaque petite application, il est développé d'une manière indépendante avec une technologie qui peut être différente, par une équipe qui peut être différente. Donc cette petite application, c'est ce qu'on appelle généralement un microservice. Et après, donc, vous avez donc un ensemble de microservices que vous allez développer. Nous avons déjà vu qu'avec Spring Boot, c'est très simple de mettre en place un microservice. Donc, principalement avec Spring Data, avec Spring Data REST, principalement, avec quelques annotations de base. Donc, on arrive à mettre en place facilement un microservice. Alors, bien sûr, je parle toujours de la partie back-end du microservice. Et après, la partie frontale, donc, c'est pratiquement, c'est également, c'est. On a vu comment, avec Angular, comment développer la partie front-end. Et après, bon, maintenant, quand vous développez une application avec plusieurs microservices, donc, en fait, la manière de découper déjà votre application donc, va dépendre, bien sûr, de la stratégie de l'entreprise. Je peux, par exemple, avoir toute une application, par exemple, de e-commerce, dans laquelle je peux créer, par exemple, une dizaine de services, par exemple, un service pour gérer le catalogue de produits, un service pour gérer par exemple le stock, un service pour gérer les paiements, un service pour gérer par exemple le service client, etc. Donc je peux toujours découper en fonction bien sûr des différents modules de l'application. Mais si vous voulez, parfois vous pouvez aller jusqu'à un niveau de granularité qui est très faible, c'est-à-dire carrément, donc par exemple, vous créez un microservice pour les produits, un microservice pour les catégories, un microservice pour le client. Donc, ça veut dire que chaque entité de votre problème, chaque entité que vous manipulez dans votre problème, donc vous pouvez lui créer un microservice. Alors en tout cas, donc nous avons vu que une fois que vous développez donc des microservices, donc on a besoin de faire l'orchestration. Donc c'est pour cela que dans notre architecture, on a besoin d'utiliser un certain nombre de services techniques. Alors principalement, il y a d'abord un service d'enregistrement, Registry Service. Donc nous avons dit que son rôle, c'est quoi? C'est que chaque microservice qui est démarré, vous suivez? Donc chaque microservice qui est démarré, il va se connecter vers ce service d'enregistrement pour publier, bien sûr, sa référence. Alors c'est quoi sa référence? C'est son nom, l'adresse IP et le numéro de port. Alors tout à l'heure, donc je vais vous montrer comment utiliser comment mettre en place ce service-là. Et du coup donc principalement tous les services qui démarrent dans l'architecture, ils vont publier leur localisation. Ils vont s'enregistrer au niveau de ce service d'enregistrement. Et après, nous avons besoin particulièrement d'un service qui est important, c'est en fait le service proxy. En fait, le service gateway, c'est lui qui va faire l'orchestration, autrement dit. Toutes les requêtes qui arrivent généralement des parties front-end, ils vont être à destination du service proxy, ce qu'on appelle le gateway. Et après, c'est le service proxy qui devrait se débrouiller pour rediriger ou bien pour faire un forward de la requête vers le bon service qui va exécuter cette requête. Alors pour cela, souvent, le service proxy, on a besoin de configurer les routes. Alors c'est avec le service d'enregistrement, on peut le faire d'une manière plus simple, on va voir tout à l'heure. C'est que le service proxy, à chaque requête qui arrive, il envoie la requête vers le service d'enregistrement pour récupérer donc les URLs, pour récupérer donc l'adresse du service, et après il peut le contacter pour exécuter bien sûr l'action qui a été demandée au niveau de la requête. Et après également, donc j'ai parlé d'un service de configuration qui permet de centraliser la configuration du service, c'est-à-dire au lieu de créer un fichier de configuration pour chaque microservice, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va créer un repository dans lequel on va mettre en place les fichiers de configuration.
Et après, par la suite, chaque microservice qui démarre demande au service de configuration de lui fournir sa configuration. Et ça, c'est plus pratique pour centraliser la configuration de l'ensemble de l'architecture. Alors ça, on va essayer de voir principalement. J'avais déjà expliqué avec ce diagramme de séquence que, par exemple, nous avons, dans notre exemple ici, nous avons par exemple, je suppose que j'ai un service d'inventaire, par exemple, en deux instances, qui démarrait en deux instances, et un service, par exemple, de vente, par exemple, qui est de paiement, par exemple, qui est démarré en deux instances. Alors, pour appeler par exemple le service d'inventaire, j'ai une requête envoyée par le client. Dans la requête, je trouve toujours la requête, elle est destinée vers la gateway. Et dans l'URL de la requête, on va spécifier le nom du service, par exemple Inventory Service. Et après, ici, je veux consulter la liste des produits. Alors, en fait, service gateway, on a besoin de router. On a besoin de router cette requête-là vers le bon service. Alors, pour cela, l'une des solutions, c'est de se baser sur le service d'enregistrement. Il va lui donner le nom du service. Le service d'enregistrement va lui retourner l'adresse IP et le numéro de port où se trouve le microservice. Et après, le service proxy, il va faire un forward vers le service, bien sûr, vers une instance du service d'inventaire. Et après, par la suite, ce service-là va exécuter l'action, il retourne un résultat et ce résultat-là va être envoyé vers le client. Alors, vous voyez, le service gateway, c'est une passerelle. C'est une passerelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il reçoit la requête, il la redirige vers le bon service. Mais avant de la rediriger, il peut appliquer des filtres. C'est-à-dire, il peut parfois faire des tests pour pouvoir, il peut par exemple faire quelques tests sur la requête pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire, c'est-à-dire vers quel service on va par exemple envoyer la requête. On va voir comment le faire tout à l'heure. Il peut également ajouter des headers à la requête, par exemple, avant d'envoyer la requête. Il peut gérer la sécurité, c'est-à-dire vous pouvez carrément centraliser la sécurité de l'accès au service dans ce service de proxy. Et on peut faire pas mal de choses. On peut gérer un cache, on peut faire pas mal de choses au niveau du service Gateway. Et la même chose, quand il envoie la réponse HTTP, il peut également ajouter des entêtes, il peut reformater bien sûr la réponse HTTP, etc. Il peut faire un certain nombre de choses après. Alors, ça c'est bien sûr, si une autre requête est envoyée, c'est-à-dire si la même requête est envoyée une deuxième fois, on va faire la même chose, sauf que cette fois-ci, comme il y a plusieurs instances, en principe, il y a deux instances par exemple du service d'inventaire. Le service proxy, Gateway, et il gère également un système d'équilibrage de charge. Donc il y a un load balancer qui va faire que la prochaine fois, ce n'est pas la même instance qui va être sollicitée. Il va solliciter la deuxième instance qui va exécuter le traitement et après qui va donner la réponse. Alors ça, c'est le fonctionnement principal de l'architecture bien sûr du service d'enregistrement. Alors maintenant, quand vous créez une gateway, nous allons voir d'abord comment créer un service gateway pour une application basée sur les microservices. Alors pour créer un service gateway, vous savez, dans les applications web, il y a deux modèles généralement. Il y a ce qu'on appelle le modèle avec des entrées-sorties bloquantes. Et il y a un modèle avec des entrées-sorties non bloquantes. Il faut d'abord voir c'est quoi la différence entre ce qu'on appelle le modèle bloquant et le modèle non bloquant. Et après, on va essayer de voir quelle est la solution qu'on va utiliser pour développer ce service Gateway. Alors d'abord, juste une idée sur le service. Quel est le problème qui est posé parfois quand vous utilisez des applications web utilisant un modèle basé sur des entrées-sorties bloquantes. Alors le problème, c'est que quand vous serez en production, parfois ce qui arrive, c'est que vous avez une variété de clients qui vont se connecter à l'application. C'est-à-dire vous avez des clients qui vont utiliser des ordinateurs, des smartphones, vous trouverez différents types de clients. Et après, chaque client dispose d'une connexion. Et après, le débit de la connexion, ce n'est pas le serveur qui va le régler. Chaque client utilise une connexion pour accéder au serveur.
Donc, ce qui fait qu'il y a parfois il y a des clients qui ont des connexions avec un débit qui est très, 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 très grand, c'est-à-dire qui est très rapide. Mais également, il y a des clients qui ont des connexions avec un débit qui est très faible. Si vous utilisez un smartphone, par exemple, avec une connexion 2G ou je ne sais pas quoi, généralement, la connexion, elle est trop lente. Alors, ce qui se passe, c'est que le problème qui va être posé, c'est que quand un client se connecte, généralement, si vous utilisez le modèle, ce qu'on appelle multithread bloquant, c'est-à-dire, ça veut dire quoi le modèle multithread bloquant? Ça veut dire que chaque client qui envoie une requête, on va lui réserver un thread pour traiter sa requête. Donc, ça veut dire que s'il y a par exemple des centaines de clients qui se connectent en même temps, vous êtes en train de réserver 100 threads au niveau du serveur pour traiter la requête de chaque client. Alors, si vous utilisez donc ce modèle-là, ce qui se passe, c'est que les clients avec des connexions qui sont trop lentes, ils vont monopoliser des threads pour une longue durée. Par exemple, vous utilisez votre téléphone pour se connecter, et après, une fois que la connexion est établie, il y a un thread qui est réservé au niveau du serveur. Et après vous êtes en train d'envoyer des données. Comme la connexion est trop faible, et bien tout simplement, le thread que vous réservez va prendre, c'est-à-dire vous allez le mobiliser pour une longue durée. Et du coup, donc, la même chose, quand votre serveur, c'est-à-dire quand votre application serveur va appeler des services distants, et quand il va faire appel, par exemple, à des bases de données, si la latence est très faible, si vous utilisez des entrées et sorties bloquantes, alors ce qui va se passer, c'est que quand vous avez un thread qui est créé, il va attendre beaucoup de temps pour lire les données de la requête. Il va également attendre beaucoup de temps pour contacter les services distants. Donc, ce qui fait, avant de donner la réponse au client, le thread, il est mobilisé pour un client pour une longue durée. Alors, sauf que parfois, quand le nombre de threads atteint un seuil, c'est-à-dire quand vous atteignez le nombre maximum de threads que vous pouvez créer, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, vous allez carrément rendre votre service indisponible. C'est-à-dire que quand il y a un client qui arrive à se connecter, eh bien, tout simplement, quand tous les threads sont mobilisés, eh bien, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que le service va être disponible, plutôt indisponible, et le client ne peut pas se connecter. Il doit attendre jusqu'à ce qu'un thread soit libéré pour pouvoir se connecter. Alors, mais également, donc, c'est-à-dire ce modèle-là, le modèle de multithread qui était le modèle classique que d'ailleurs nous avons utilisé jusqu'à présent, parce que quand vous utilisez l'API Servlet avec Tomcat, souvent c'est ce modèle qui est utilisé. Donc l'inconvénient principal, comme je disais, c'est on peut rendre le service indisponible un certain nombre. C'est-à-dire à un certain moment, même si les ressources sont encore disponibles. C'est-à-dire normalement, vous avez un serveur qui est très puissant, vous avez beaucoup de CPU, beaucoup de mémoire. Alors même s'il y a encore beaucoup de CPU que vous pouvez utiliser, mais après, votre serveur, il ne peut plus traiter les requêtes. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème de montée en charge, mais parce que tout simplement, vous avez atteint la limite. Le nombre maximum de threads qui sont mobilisés. Tout simplement pourquoi? Parce que peut-être il y a beaucoup de clients qui utilisent des connexions à faible latence, c'est-à-dire qui utilisent une latence qui est très faible. Alors donc juste pour le modèle multithread bloquant, donc pour résumer, qu'est-ce qui se passe pour le cas du modèle multithread bloquant? Donc c'est un modèle qui marche très bien dans de nombreux cas. Nous avons d'ailleurs vu que toutes les applications qu'on a créées, c'est le modèle que nous avons utilisé. Alors qu'est-ce qui se passe? Pour chaque requête envoyée par le client, il y a un thread, c'est-à-dire le serveur comme Tomcat par exemple, quand il démarre, il va créer un pool de threads en mémoire. Et chaque client qui va envoyer une requête, il va lui réserver un thread pour traiter la requête. Et pour chaque requête, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un certain nombre de choses. On va d'abord lire les données de la requête. Donc, vous savez, quand vous lisez les données de la requête, si la latence est faible, ça veut dire que ça prend du temps. Et comme les entrées-sorties sont bloquantes, ça veut dire que tant que je n'ai pas encore terminé la lecture des données, le thread, il attend toujours la lecture des données. On va par exemple accéder à la base de données, parce qu'il y a des requêtes SQL souvent que vous envoyez par exemple dans des SGBD. Donc il faut attendre la réponse des SGBD.
Vous allez parfois accéder à des services distants via des requêtes HTTP ou via d'autres protocoles. Et après, une fois que vous avez terminé le traitement, vous allez écrire la réponse, c'est-à-dire vous allez envoyer la réponse HTTP vers le client. Alors tout ce temps, c'est-à-dire entre la lecture des données de la requête et l'écriture de la réponse, alors tout ça, ça prend beaucoup de temps. Alors imaginez que vous avez des latences, c'est-à-dire des connexions qui sont faibles, c'est-à-dire ce processus-là prend beaucoup de temps. Alors vous allez traiter par exemple à un moment donné, vous avez une centaine, supposons vous avez maximum 100, 100, vous ne pouvez pas dépasser un maximum de 100 threads. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'il y a une centaine de clients qui se connectent en même temps, ça veut dire que tous les threads sont réservés, c'est-à-dire sont mobilisés pour traiter les requêtes. Donc ça veut dire qu'après, par la suite, s'il y a un autre client qui va se connecter, bah, l'application il va toujours répondre que indisponible. Donc ça c'est, même s'il y a encore des ressources, c'est-à-dire même si le serveur dispose encore de plus de mémoire, s'il dispose de plus de capacité de calcul, donc du moment que ce modèle-là il est handicapé par la latence des entrées-sorties, donc ça peut handicaper les performances. Alors bien sûr, donc ce modèle-là, c'est le modèle classique qui est utilisé dans J2E depuis longtemps, jusqu'à un certain nombre. C'est utilisé également avec .NET, avec PHP. Donc, mais après, il y a la technologie Node.js, que vous connaissez, qui avait introduit depuis un modèle qui est différent. Donc, alors, c'est quoi le modèle? C'est justement l'idée, c'est d'utiliser un single thread, c'est-à-dire utiliser avec un seul thread, on peut traiter plusieurs requêtes. Alors, si vous voulez avec un seul thread traiter plusieurs requêtes, donc il faudrait utiliser les entrées-sorties non bloquantes. Parce que si vous utilisez des entrées-sorties bloquantes, vous ne pouvez pas le faire, n'est-ce pas? Alors c'est la raison pour laquelle donc Node.js il avait introduit son modèle qui est d'ailleurs très populaire. Mais après, toutes les autres technologies ont suivi. C'est-à-dire, dans par exemple Spring, il a créé une version réactive de son modèle. C'est pour cela que dans Spring, vous allez trouver à Spring MVC, qui utilise donc le modèle multithreaded bloquant, n'est-ce pas? Et après, il y a Spring Web Flux. Alors, Spring Web Flux, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est le modèle de, c'est un autre modèle, mais qui, lui, est basé sur, c'est-à-dire le modèle single-thread non bloquant. Alors, comment ça marche? Alors, l'idée du modèle single-thread non bloquant, l'idée principale, comme je disais, c'est ça. Au départ, c'est d'utiliser un single thread, un seul thread pour traiter plusieurs requêtes. Quel que soit le nombre de requêtes, avec le même thread, on peut les traiter d'une manière, on va dire, parallèle. C'est-à-dire, alors pour cela, pour faire cette opération-là, ça peut sembler un peu assez délicat. Pour cela, on utilise, il y a un pattern qui s'appelle Reactor, qui consiste à mettre en place ce qu'on appelle un event loop. En fait, event loop, c'est-à-dire c'est une boucle dans laquelle le thread il reçoit bien sûr des demandes et chaque action qu'il va faire, eh bien, tout simplement il va émettre des événements. Bon, il va émettre des événements qu'il va empiler dans une file d'attente. Donc, du moment que c'est-à-dire ce sélecteur tourne dans une boucle, à chaque fois il y a un événement qui survient dans l'application, il le traite. Et du coup, donc, il nous donne l'impression qu'il est en train d'exécuter plusieurs tâches en même temps avec un seul thread. Donc, l'idée principale, c'est d'utiliser un event loop qui permet, avec un single thread, bien sûr, traiter plusieurs requêtes en même temps. Ça, c'est l'idée principale. Alors, en fait, dans Java, donc je crois que vous le connaissez déjà, dans Java, il y a l'API Java Input-Output. C'est pour les entrées-sorties bloquantes. C'est-à-dire tout ce que vous utilisez dans java.io, c'est en fait des entrées-sorties bloquantes. Et après, à partir de la version 7 de Java, il y a une autre API qui s'appelle, c'est Java New. C'est New et Input-Output. Alors si vous utilisez Java New, ou bien New, plutôt Input-Output, c'est que vous utilisez des entrées-sorties non bloquantes. Avec New, vous pouvez mettre en place un serveur avec des sockets qui est capable
de communiquer avec plusieurs clients en même temps, mais en utilisant un single thread. Donc ça, c'est rendu possible depuis la version 7 de Java. Alors après, bien sûr, donc dans Java, il y avait bien sûr des frameworks qui utilisent ce modèle. Alors parmi les premiers frameworks qui ont fait une implémentation qui ressemble à celle de Node.js, ça s'appelle Vertex. Alors Vertex, c'est un framework qui permet également de créer des applications web Java, exactement comme le modèle Node.js. Alors Spring lui-même, il a créé sa propre version. C'est-à-dire de ce modèle qu'il a tout simplement nommé Spring WebFlux. Donc quand vous entendez Spring MVC ou bien Spring WebFlux, ben, vous devrez juste savoir une chose, c'est que la différence c'est quoi? La différence c'est que Spring MVC classique c'est un modèle avec des entrées-sorties bloquantes. Et Spring Webflux, c'est un modèle réactif en utilisant des entrées-sorties non bloquantes. Alors, sauf qu'au lieu d'utiliser un single thread, pour ne pas utiliser un seul thread, parce que si vous utilisez un seul thread alors que vous avez plusieurs CPU dans le serveur, si vous avez plusieurs cœurs, si vous avez un multicore, c'est-à-dire vous avez un multicore, dans ce cas-là, ce n'est pas pratique d'utiliser un single thread. Généralement, pour pouvoir exploiter les performances d'un serveur, il vaudrait mieux utiliser plusieurs threads au lieu d'utiliser un single thread. Alors c'est pour cela, ce modèle généralement, il utilise un thread qui s'appelle un IO Selector Thread, qui lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement traiter les requêtes en utilisant des entrées-sorties non bloquantes. Et après, par la suite, il lui-même, il va se baser sur ce qu'on appelle un certain nombre de worker threads, c'est-à-dire le nombre de threads cette fois-ci c'est limité. On va pas utiliser des centaines, mais on va utiliser juste un nombre limité de threads en fonction de la capacité de votre ordinateur. Si vous avez par exemple 4 CPU ou 8 CPU, l'idéal c'est d'utiliser 8 threads. Pourquoi? Parce que si vous lancez 8 threads en même temps, c'est-à-dire que chaque thread peut utiliser un CPU. Donc c'est un peu l'idée principale. Avec c'est-à-dire un nombre beaucoup plus réduit de threads, vous avez un IO Selector Thread dont le rôle c'est d'orchestrer les entrées-sorties non bloquantes. Cet IO Thread, qu'est-ce qu'il fait? Il va gérer la lecture et les écritures de sous forme d'événements. Donc il va émettre des événements qu'il va empiler et dépiler d'une manière non bloquante. Alors comme je disais tout à l'heure avec ce principe-là du pattern Reactor. Alors, c'est quoi l'avantage de ce modèle, d'après vous? Alors, l'avantage de ce modèle, c'est que, en fait, le IO Selector Thread, il peut traiter toutes les requêtes. C'est-à-dire, on n'arrivera jamais à un moment où on va dire ça y est, on ne peut pas traiter des requêtes. C'est-à-dire, tant qu'il y a encore de la mémoire, tant qu'il y a encore des ressources de calcul au niveau des CPU, et bien, tout simplement, ce modèle-là, il peut traiter toutes les requêtes. Donc, c'est-à-dire, vous avez ce qu'on appelle un modèle qui utilise la scalabilité verticale. Ça, je ne parle pas, parce que la scalabilité horizontale, on en a déjà parlé. C'est quoi la scalabilité horizontale? C'est quand il y a un problème de performance, vous démarrez de nouvelles machines d'une manière distribuée. Et la scalabilité verticale, c'est-à-dire, ben, on va ajouter directement dans le serveur, par exemple, on va ajouter la capacité mémoire, on peut augmenter le nombre de CPU, etc. La capacité de stockage. Donc, ça veut dire que plus avec ce modèle, vous êtes sûr d'exploiter le maximum de ressources que vous avez dans les serveurs. Alors, ça, c'est juste entre parenthèses. Donc, la différence entre le modèle multithread bloquant et le modèle single thread non bloquant. Alors maintenant, je reviens à Spring Cloud. Alors pour pouvoir donc mettre en place un proxy, une gateway, donc pour l'ensemble des services de l'application, donc il existe un certain nombre de solutions. D'abord, une gateway, c'est quoi? C'est un reverse proxy.
mais qui est amélioré, qui ajoute un certain nombre de fonctionnalités, comme par exemple l'orchestration. On peut ajouter de la sécurité, il peut ajouter le monitoring, il peut faire pas mal de choses. Et après, vous avez un certain nombre d'implémentations qu'on peut utiliser pour créer un proxy. Parmi ces implémentations, il y a Zool. Zool Proxy, c'était le premier qui est utilisé dans Spring Cloud version, dans la première version de Spring Cloud. Il y a également Amazon Gateway API, vous avez Spring Cloud Gateway. Donc, il existe plusieurs solutions pour mettre en place une gateway d'une manière générale. Alors, sauf qu'il faut savoir une chose, c'est que dans la version 1, on utilisait donc Zool. Zool, c'est un proxy qui marche bien, mais sauf que lui, il est basé sur une API avec des entrées-sorties bloquantes. Donc, c'est juste pour faire la différence. Si vous utilisez Zool Proxy, c'est que vous allez utiliser un modèle utilisant donc le modèle input-output qui sont bloquants. Vous suivez? Est-ce que c'est clair? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, comme je disais, une API de passerelle bloquante utilise donc autant de threads qu'il y a de nombre de requêtes entrantes. Donc ça c'est la première des choses. Deuxièmement, c'est que si un thread n'est pas, si aucun thread n'est plus disponible, et bien tout simplement le service devient indisponible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas connecter, un utilisateur ne peut pas se connecter. Pourquoi? Tout simplement parce qu'actuellement, au niveau du serveur, on a déjà atteint la limite du nombre de threads. Donc ça, c'est quand même quelque chose à noter. Alors c'est pour cela, donc à partir de la version de Spring Cloud, Spring a créé son propre modèle de Spring Cloud Gateway, qui est lui, qui permet de faire la même chose, qui permet de créer un proxy. Mais sauf que cette fois-ci, on va utiliser une API non bloquante. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes sûr d'avoir toujours un thread qui est toujours disponible pour traiter la requête qui est entrante. Donc, on a ce principe-là qui va être respecté. Et après, toutes les requêtes vont être traitées d'une manière asynchrone, bien sûr en utilisant des entrées-sorties non bloquantes. Et de cette façon, il n'y a aucune requête entrante qui peut, c'est-à-dire qui va être en attente. C'est-à-dire, autrement dit, toutes les requêtes entrantes, on est sûr de les traiter, bien sûr à condition que le serveur dispose encore de l'espace mémoire et des ressources de calcul. Alors, Spring Cloud Gateway donc, a été introduite dans la version Spring Cloud 2.0. En utilisant Spring WebFlux, c'est-à-dire en se basant sur l'écosystème de Reactive Spring, qui lui, bien sûr, qui est basé sur le serveur Netty. Alors, jusqu'à présent, toutes les applications que nous avons créées avec Spring Boot, elles sont basées sur Tomcat, n'est-ce pas? Donc, c'est toujours le serveur Tomcat qui est démarré. Et après, le premier serveur qui a été créé et qui implémente son modèle c'est-à-dire d'entrée-sortie non bloquante, c'est Netty. Alors c'est pour cela que vous allez remarquer que parfois, quand vous utilisez donc le Spring WebFlux, ce n'est pas Tomcat qui est démarré, mais c'est plutôt Netty. Parce que Netty, bien sûr, il y a une version de Tomcat qui peut également être utilisée, mais en tout cas, d'une manière générale, c'est Netty qui est utilisée. Alors, au niveau de l'architecture, Spring Cloud Gateway. Ce qu'il faut noter, pour mettre en place un proxy, principalement, il y a deux solutions qui sont les plus utilisées. Il y a Zool Proxy, comme je disais, c'est un modèle avec des entrées-sorties bloquantes. Et vous avez Spring Cloud Gateway, qui utilise un modèle avec des entrées-sorties non bloquantes. Alors, en fait, Spring Cloud Gateway se compose de trois blocs qui va être utilisé pour configurer donc les routes. Alors la route, c'est la destination vers laquelle nous allons envoyer. En fait, on va configurer les routes de façon à ce que chaque requête qui est envoyée, on va bien sûr lui configurer une route qui lui permet donc d'atteindre le service auquel est destinée la requête.
Et après, donc, une route comprend un certain nombre d'éléments, principalement donc, il y a les URI de destination. Il comprend ce qu'on appelle des prédicats, parce qu'en fait, quand le proxy reçoit une requête, dans le proxy, on peut utiliser un certain nombre de prédicats, c'est-à-dire de conditions qui doivent être satisfaites pour que déterminer, c'est-à-dire vers quel service on va envoyer par exemple la requête. Alors, il existe plusieurs prédicats qu'on va voir au niveau de la configuration. On peut par exemple avoir des prédicats CIROST. CIROST, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous dites, par exemple, pour tous les domaines, par exemple, domaine.com. Alors, quand vous dites étoile.domaine.com, c'est-à-dire que la requête utilise un sous-domaine quelconque, par exemple. Et vous pouvez, avec ça, vous pouvez par exemple router la requête vers le bon service. Path, on peut par exemple regarder uniquement le path pour voir. À travers le path, on peut savoir quel est le service qui va être appelé. On peut également faire par exemple dire si la méthode envoyée est get ou bien post ou bien put, je fais ça. Je peux par exemple rediriger la requête vers ça. On peut carrément rentrer ajouter d'autres prédicats, comme par exemple sur les dates. Si la requête est envoyée après la date X, ou bien avant la date X, ou tout simplement entre la date X et la date Y. On peut également avoir des prédicats sur les cookies. Vérifier est-ce qu'il y a la présence d'un cookie particulier au niveau de la requête. La même chose sur les headers. On peut avoir des prédicats sur les headers, pour vérifier est-ce qu'il y a un header particulier ou pas. Ça peut être utile par exemple au niveau de la sécurité. Rappelez-vous avec Spring Security, notamment avec JSON Web Token, ce qu'il fait, c'est principalement quand il reçoit une requête, il regarde d'abord s'il y a le JWT dans la requête, et après, donc, à partir de là, donc, il peut prendre la décision. On peut également avoir des prédicats sur les paramètres URL, c'est-à-dire le query. On peut avoir des prédicats sur l'adresse, carrément, c'est-à-dire vous dites si l'adresse IP de la requête, du client qui a envoyé la requête, si par exemple il se trouve dans une plage quelconque, donc je peux par exemple laisser passer ou bien je peux par exemple rejeter, etc. Donc en tout cas, dans chaque route qu'on va configurer, bien sûr il y a l'IURI, c'est-à-dire parce que cette route il est destinée vers un service particulier, mais également il y a un certain nombre de prédicats. Et alors en plus des prédicats, il y a ce qu'on appelle des filtres. Alors pour chaque prédicat, plutôt pour chaque route, on peut ajouter des filtres. Ça veut dire quoi les filtres? Ça veut dire quand il y a une requête qui arrive vers le proxy, il peut filtrer la requête. Autrement dit, il peut ajouter des entêtes à la requête, il peut supprimer des entêtes, il peut modifier un certain nombre de valeurs, il peut faire pas mal de choses au niveau de la requête. Alors, et après, il y a toute une liste de filtres qu'on peut utiliser. Par exemple, Add Request Header permet d'ajouter, c'est un filtre qui permet d'ajouter un header à la requête. Add Request Parameter permet d'ajouter un paramètre à la requête. Add Response Header qui permet d'ajouter au niveau de la réponse, il ajoute un paramètre ou plutôt un header à la réponse. Il y a des dupes Response Header, c'est pour parfois supprimer les valeurs dupliquées d'un entête particulier. Et après, on va voir, il y a plein de filtres qui sont utilisés. Parmi les filtres, il y a Hysterics, donc j'aurai l'occasion de vous en parler. Circuit Breaker, Rewrite Path pour la réécriture des paths, etc. Donc, en tout cas, ce qu'il faut noter pour le moment, c'est que quand dans Spring Cloud Gateway, vous allez configurer un ensemble de routes. Et chaque route, généralement, dispose bien sûr d'une URI qui permet de spécifier en fait l'URI destination, mais également pour chaque route, on peut définir un ensemble de prédicats et plutôt on va définir un prédicat et un ensemble de filtres. Alors, donc ça c'est quelques concepts. Alors maintenant, on va essayer donc de voir un exemple d'application. Alors, l'exemple d'application qu'on va créer, donc c'est une application qui est basée sur deux services, par exemple, métier, un service pour gérer les clients et un service pour gérer l'inventaire.
par exemple les produits classés par catégorie, etc., le stock par exemple. Et après, l'orchestration des services va se faire via, bien sûr, il y a deux services techniques qu'on va utiliser. Il y a Spring Cloud Gateway, donc ça c'est la gateway qu'on va mettre en place, donc je vais vous montrer comment mettre en place une gateway. Et après, il y a Registry Eureka Service. Donc, tout à l'heure, j'avais parlé d'un service d'enregistrement. Parce qu'en fait, à un moment donné, chaque microservice peut enregistrer donc, sa localisation dans ce service-là. Donc, on va voir comment l'utiliser. Alors, la première des choses qu'on va faire, on va essayer donc de créer un service. D'abord, le service Consumer. Customer Service, donc ça c'est pour le service des clients. Alors pour créer le service des clients, donc on va utiliser un certain nombre de dépendances. Donc on va créer un projet Spring Startup Project. Donc vous avez déjà appris que on a utilisé Eclipse avec ce New Spring Startup Project. Vous pouvez utiliser avec dans IntelliJ New Spring Initializer. Mais sinon, vous pouvez toujours revenir au site start.spring.io. Donc vous avez toujours plusieurs manières de créer le. Alors ici, donc, on va créer un service, Customer Service. Et après, on va ajouter un certain nombre de dépendances. Alors, quelles sont les dépendances qu'on va utiliser? Donc, je vais utiliser donc, Spring Web, comme d'habitude, Spring Data GPA, et H2 Database. Donc, ça, c'est une base de données mémoire, donc j'en ai déjà parlé. REST Repository, c'est pour mettre en place l'API REST en utilisant Spring Data REST. Lombox, tout ce qui est les getters, etc., j'en ai déjà parlé. Il y a après DevTools, donc qui offre un certain nombre d'outils de développement, parmi lesquels il vous offre la possibilité d'accéder via une interface web à H2, donc on va voir comment l'utiliser. Et après, par la suite, donc on va utiliser des services de Spring Cloud. Alors le premier, donc c'est Eureka Discovery Client. Alors, en fait, pourquoi cette dépendance Eureka Discovery Client? Parce que nous avons dit que généralement, un service, quand il démarre, un microservice, quand il démarre, il a besoin de publier, il a besoin de se connecter vers le service d'enregistrement, qui est le service plutôt Eureka Service, pour publier donc sa référence. Donc, pour le faire, bon, c'est cette dépendance-là qui va lui permettre de contacter le service d'enregistrement pour enregistrer sa référence si vous voulez. Et après, on voit également dans les applications Spring Cloud, on utilise un service qui s'appelle Actuator qui offre des API REST qui permettent de monitorer l'application. Avec Actuator, on peut accéder à plein d'informations, voir un peu l'état de l'application, est-ce qu'il est en bonne santé, on peut voir le nombre de threads qui démarrent, le nombre de classes. Pas mal de choses, donc on va essayer donc de voir comment l'utiliser. Bon, une fois que qu'on va créer un projet, après, on a déjà expliqué que créer un microservice, c'est pas, ça demande pas beaucoup de, ça demande pas beaucoup de temps. Alors juste au niveau de l'application, dans notre application qu'on va créer, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer juste la classe Customer. Ah, donc, entity, data, no hard constructor, all hard constructor, tout ça. Donc, ça, vous savez ce que c'est. Donc, on va créer d'abord l'entité GPA. Ensuite, on va créer l'interface GPA Repository. Et après, on va tester. Alors, pour tester, dans la méthode main, donc on va utiliser un objet qui retourne command line runner. Et après, ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais injecter customer service. Et après, je vais ajouter quelques clients. Donc, new customer, oui. Alors, en fait, je vous ai déjà expliqué, il y a deux manières de faire ça. Soit que vous mettez implements command line runner et vous redéfinissez la méthode start. Dans ce cas-là, il faut injecter l'objet customer repository en utilisant Outwire ou via le constructeur. Ou tout simplement, ici, vous créez une méthode, vous l'appelez comme vous voulez. Il suffit de retourner un objet de type command line runner avec la notation bin, ce qui va lui permettre d'être exécuté au démarrage. Et après, donc, on peut ajouter, donc, bien sûr, exécuter le code que vous voulez. Dans ce cas-là, vous pouvez injecter directement via au niveau des paramètres de la méthode. C'est clair? Et après, au niveau du fichier application.properties, donc vous avez quelques propriétés, ça vous savez, server.port, donc ça c'est le port de l'application. Mais après,
Spring Cloud Discovery enabled. Alors, si vous mettez true, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vous démarrez, vous n'avez pas besoin de lui demander ça. Dès que vous démarrez votre service, automatiquement, il va s'enregistrer. Il va chercher le service d'enregistrement, il va publier donc sa référence. Alors, pour le moment, du moment qu'on n'a pas encore démarré le service d'enregistrement, donc on va désactiver, d'accord? On va désactiver donc cette fonctionnalité, c'est-à-dire au départ, on ne va pas utiliser le service d'enregistrement. Mais après, on va essayer de l'utiliser et on reviendra pour activer cette propriété-là. Et autre chose, c'est que quand généralement un service publie sa référence, quand un service publie sa référence dans le service d'enregistrement, il utilise son nom. Donc ça veut dire que chaque microservice que vous créez, il faut spécifier le nom du microservice. Alors ici, dans notre cas, Spring Application Name, le service s'appelle Customer Service. C'est clair? Alors c'est quoi ça? C'est rien de nouveau pour vous, donc c'est un microservice. Alors une fois que vous démarrez cette application, vous pouvez la tester. Et après pour la tester, donc vous mettez 80/81/customers, donc vous avez la liste des clients, customers/1, etc. Donc on a déjà vu comment tester une API REST, mais également, regardez, vous mettez Actuator, parce qu'en fait, parmi les dépendances que nous avons ajoutées, Actuator. Alors, si vous ajoutez quand vous avez Actuator dans le service, donc quand vous mettez Actuator, il vous fournit un ensemble de endpoints qui vous permet donc de monitorer votre application. Alors, par exemple, si vous mettez Actuator/health, vous voyez ici, vous avez app, c'est-à-dire que le service il est dans l'état app. Vous pouvez trouver donc down ou up, donc c'est juste pour avoir une idée. Si vous mettez par exemple Actuator/beans, vous pouvez voir dans la réponse c'est-à-dire dans la réponse HTTP, vous pouvez voir la liste des beans qui sont chargés en mémoire. Donc ça peut être utile parfois si vous voulez. Donc on peut les voir par la suite. Ainsi de suite. Donc vous avez un ensemble. Donc vous avez un ensemble de endpoints qui sont activés par Actuator, n'est-ce pas? Mais tous les endpoints ne sont pas activés. Alors c'est pour cela, si vous voulez activer c'est-à-dire toutes les fonctionnalités de Actuator, vous pouvez utiliser c'est cette propriété-là que j'ai désactivée pour le moment. Management endpoints web exposure include égale étoile. Ça veut dire quoi? Alors si vous mettez étoile, ça veut dire je demande à Actuator d'exposer tous les endpoints qui est de Actuator, n'est-ce pas? Mais généralement c'est pas pratique parce que le fait d'exposer beaucoup de choses que vous n'allez pas utiliser, ça peut alors dire bien sûr le service. Alors c'est pour cela, donc ce qu'on va faire, c'est que à chaque fois qu'on a besoin d'une fonctionnalité particulière, donc on va l'activer en utilisant son nom. Donc c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc ça c'est le premier service. C'est clair? Question? Ça, c'est le premier microservice. Le deuxième, maintenant, du moment que vous démarrez, vous savez que dans notre service ici, nous avons utilisé quelle base de données? H2. Bon, H2, donc si vous voulez voir le contenu de votre base de données, vous pouvez utiliser donc localhost 8081 H2 console. Alors, qu'est-ce qui me permet donc d'avoir H2 console? C'est tout simplement DevTools. Parce que si vous n'avez pas DevTools, vous n'avez pas cette fonctionnalité qui est accessible. Donc avec H2 console, donc je peux spécifier le nom de l'utilisateur par défaut, donc SA, le mot de passe par défaut. Et après, vous pouvez voir donc bien sûr la table customer. Et après, si vous exécutez la requête, vous pouvez voir le résultat, etc. Ça, c'est toujours du moment que nous utilisons des outils pour tester l'application. Ça, c'est le premier. Le deuxième service, c'est la même chose. Donc, on va créer un autre service d'inventaire. On va utiliser les mêmes dépendances. Donc, sauf que ici, donc, c'est inventaire service. Et après, la même chose. Je vais ajouter quelques... Dans le service d'inventaire, pour le moment, je vais créer l'entité product. Donc, chaque produit est défini par son ID, le nom et le prix. Et au démarrage de l'application, je vais insérer quelques produits dans la base de données. Et le port, cette fois-ci, qu'on va utiliser, c'est le port 8082. La même chose, le nom,
du service et inventory service. Et après, je vais désactiver le client cloud discovery parce que je n'ai pas pour le moment besoin de. Parce que si vous le laissez par défaut, d'ailleurs par défaut c'est trop, si vous le laissez au démarrage, il va tenter de se connecter vers le service d'enregistrement. Et comme le service d'enregistrement n'existe pas, donc votre application ne va pas démarrer. Donc il va échouer au démarrage. Donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons un service sur le port 8081 et nous avons un service qui va utiliser le port 8082. Sauf qu'ici, donc, je peux consulter des produits. Donc, vous avez la liste des produits, vous pouvez consulter les produits, consulter la base de données, la même chose. C'est bon? Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer maintenant la gateway. Parce qu'en fait, quand j'ai deux services, j'ai besoin de créer donc le service proxy. Alors, pour créer le service proxy de l'application, donc, comme je disais, donc, je peux utiliser Zool Proxy, ce qui est déconseillé parce que c'est une API qui utilise des entrées-sorties, quoi, bloquante. Alors que Spring Gateway Service utilise une API basée sur les entrées-sorties non bloquantes. C'est-à-dire, il est basé sur Spring WebFlex, si vous voulez. Alors, donc, pour pouvoir créer un service Gateway, c'est très simple. Vous créez un projet avec les dépendances. Il y a Gateway d'abord. Donc, c'est ce qui est fourni. Et on va utiliser également Actiator. Donc, maintenant, Actiator, c'est tout ça, c'est des services que vous allez souvent utiliser dans les microservices. Si vous voulez donc consulter, monitorer une application. Strix, donc c'est une dépendance qui va nous permettre par exemple, de gérer ce qu'on appelle le circuit breaker. Alors, c'est quoi le coupe-circuit? Ça veut dire quoi? Ça veut dire votre application, à un moment donné, vous demandez par exemple, vous envoyez une requête vers le service proxy. Lui, il va tenter d'accéder à un service distant. Mais si ce service distant, il est en échec, c'est-à-dire s'il n'arrive pas à contacter le service distant. N'est-ce pas? Si vous faites rien, qu'est-ce qui va se passer? Bon, le client, qu'est-ce qu'il reçoit? Il va recevoir une réponse de type 404. N'est-ce pas? C'est-à-dire le service, il est indisponible. Alors, avec Esterix, on peut par exemple le configurer pour lui dire, dès qu'il y a l'accès à un service qui échoue, voilà la réponse que tu vas retourner. Donc, c'est ce qu'on appelle le coupe-circuit. C'est-à-dire, c'est une manière de spécifier un autre chemin qu'il doit exécuter si jamais le service, par exemple, le proxy n'arrive pas à contacter un service distant. Bon, je vais vous montrer tout à l'heure comment l'utiliser. Mais ce n'est pas pour le moment la partie la plus importante ici. Alors, la même chose, ce service-là, ce service Gateway, il a besoin de Eureka Discovery Client. Pourquoi? Pourquoi il a besoin de Eureka Discovery Client? Parce que tout simplement, ce service proxy, quand j'envoie une requête, il a besoin de contacter le service d'enregistrement. C'est pour récupérer, bien sûr, l'adresse où se trouve la localisation et l'adresse où se trouve le microservice. Donc, il a besoin de contacter. Mais comme tout à l'heure, la même chose dans un premier temps, après, on va la désactiver dans un premier temps. C'est clair? Bien. Alors maintenant, une fois qu'on crée le projet, maintenant comment configurer une gateway? Alors pour configurer une gateway, donc on peut la configurer d'une manière statique ou bien d'une manière dynamique. Alors d'une manière statique, vous avez deux modèles, deux moyens, soit à travers le fichier de configuration application.yaml. Alors d'habitude, nous utilisons le fichier application.properties, n'est-ce pas? Oui. Alors sachez qu'avec Spring Boot, vous pouvez utiliser application.properties. Mais également, vous pouvez utiliser le format YAML. Donc, c'est un choix. Alors, il se trouve que il y a parfois, c'est plus pratique d'utiliser YAML file que d'utiliser un fichier .properties. Par exemple, pour configurer les routes, regardez ce qu'on va faire. Si vous voulez le faire directement via le fichier application.yaml, vous allez utiliser. Vous suivez?
Alors voilà ce qu'on va faire. Donc on va utiliser Spring. Alors ça c'est le format YAML. Deux points. Cloud, deux points. Gateway, deux points. Alors dans le fichier application properties, qu'est-ce qu'on fait? On utilise spring.cloud.gateway. C'est la même chose, n'est-ce pas? Donc c'est juste le format YAML. Et après Gateway, vous avez routes. Donc je vais configurer les routes. Et après chaque route maintenant, on va spécifier un certain nombre d'informations. Donc la première route, chaque route il a un ID. Par exemple, j'ai une route qui s'appelle dont l'ID égale R1. C'est quoi l'IURI destination? C'est HTTP localhost 8080/81. Alors pour moi, 8080/81, c'est quoi? C'est customer service. Alors maintenant, quand est-ce que je vais accéder? Quand est-ce que je vais router la requête vers cette adresse, c'est-à-dire cette IURI? Vous avez ici des prédicats. Alors les prédicats, comme je disais, c'est quoi? C'est des conditions que la requête doit satisfaire pour aller vers cette URI. Alors dans notre cas, on va utiliser un simple le prédicat path. Alors quel est le prédicat qu'on va utiliser? Path. Et c'est quoi la valeur du path? On va utiliser par exemple slash customer slash étoile. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous tapez HTTP, regardez bien, HTTP localhost 8888. Alors pourquoi 8888? Parce que je suppose que ce service-là, le service dans mon fichier Application Properties de ce service proxy, Gateway, il utilise le port 8888. Donc si vous mettez 8888 slash customers, par exemple slash 1, alors regardez ici. Donc pour le service proxy, dès qu'il trouve un path, le path de la requête, donc dès qu'il trouve quelque chose slash customer slash étoile, automatiquement il envoie la requête vers ce service. Donc vous voyez, donc c'est une manière très statique. Donc je dis par exemple pour toutes les URL slash customer slash étoile, donc c'est dans ce service-là qu'on va chercher la réponse. Et je vais passer à la route suivante. Alors la deuxième route, c'est ID, c'est R2. C'est quoi l'IURI? C'est la même chose mais avec le port 8082. Et quel est le path que je vais utiliser? C'est product slash étoile. Donc c'est-à-dire quand je tape 8888 slash product slash 1, regardez ce que je reçois, c'est le produit. Alors maintenant, le client ne connaît plus les services, il connaît que la gateway. Donc vous pouvez lui demander donc les services que vous voulez. Alors quand vous avez dans une application, le nombre de services que vous utilisez n'est pas très important, alors vous pouvez utiliser une configuration statique comme ça. Donc ça peut être très très utile. Donc vous démarrez votre projet, vous configurez et vous pouvez tester en principe. En fait, le fichier dans le dossier ressources, vous avez deux fichiers. Vous avez un fichier application.properties. Et bien, soit que vous renommez au lieu de application.properties, vous mettez application.yaml. Vous pouvez le renommer ou tout simplement vous ajoutez un autre fichier application.yaml et vous pouvez les utiliser les deux. C'est-à-dire, il y a des choses que vous pouvez déclarer dans application.properties, mais il y a d'autres choses que vous déclarez dans application.yaml. Alors, dans notre cas ici, des moments que je ne vais pas utiliser application.properties, je vais par exemple regarder tout à l'heure ce que j'ai fait dans le fichier application.properties. J'ai utilisé ça, Spring, Cloud, Discovery, Enabled, False. Alors maintenant, je vais le faire dans ce fichier YAML. Vous avez déjà Spring, vous avez déjà Cloud, et ici vous avez Discovery. Donc je n'ai pas besoin à chaque fois de reprendre. Hein, parce que si vous faites ça dans le fichier Application Properties, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez écrire Spring .cloud.gateway.roots et vous terminez. Et pour la deuxième route, vous allez encore reprendre Spring.cloud.gateway.roots et après vous spécifiez la route. Et après. Non, ça c'est le service Gateway. Nous sommes en train maintenant de créer un service Gateway. Parce que ces services-là, on les a déjà créés, on les démarre. Maintenant, c'est le service Gateway. Alors, la même chose, donc je vais utiliser donc Spring Cloud Discovery Enable False. Et je vais utiliser Server Port 8888. Donc, ça c'est la configuration. Vous voyez donc, pour le service Gateway, à vrai dire, vous n'avez pas besoin, a priori, de développer quoi que ce soit. Donc vous créez juste une application, un microservice dans lequel vous incluez
la dépendance Gateway. Alors en fait, donc pour configurer les routes avec Spring Cloud Gateway, donc vous avez deux façons de faire, soit via le fichier application YAML ou tout simplement par programme. Alors c'est encore plus pratique. Alors si vous voulez pas utiliser le fichier, c'est-à-dire si vous voulez faire la même chose mais à travers une classe de configuration, il suffit de créer une méthode dans votre application Gateway, par exemple Routes, qui retourne un objet de type bin. Et après, cette méthode-là, elle reçoit un objet de type route locator builder. Et après, vous mettez directement, vous retournez la liste des routes. Comment? Comme il utilise le pattern builder, vous utilisez builder dot routes, donc les routes. Et après, vous mettez les routes. La première route, c'est une expression lambda, donc R. Et après, pour chaque route, vous mettez R.path. C'est quoi? Le path, c'est. Vous voyez, donc ça, c'est un prédicat. Path, c'est un prédicat. C'est-à-dire, si le path égale quelque chose comme customer slash étoile, quelle est l'URI qui va être utilisée quelle est la cible, c'est-à-dire la requête, elle va être envoyée vers quoi? Vers HTTP localhost 8091. Et après, vous spécifiez le ID de la route. Alors ici, donc, c'est R1. Ça, c'est la route R2. Et à la fin, vous mettez build. Ben, la même chose. Donc, vous trouverez le même résultat. Donc, vous voyez donc deux façons de faire. Après, dans la majorité des cas, bon, les programmeurs ils vont préférer utiliser une classe de configuration parce qu'avec ça, on peut facilement ajouter beaucoup de choses. Mais ceux qui ont l'habitude de travailler avec YAML file, souvent, ils peuvent le faire. C'est-à-dire, tout ce que vous pouvez faire dans la classe de configuration, vous pouvez le faire ici également. C'est clair? On avance. Maintenant, on vient de voir comment configurer les routes d'une manière statique. D'accord? C'est-à-dire, je connais déjà les destinations. Donc, comme je disais, c'est assez pratique quand on a une application dont le nombre de microservices, il est fixe. Alors, vous savez que vous avez 5 microservices, une dizaine. Vous connaissez déjà vous pouvez orchestrer ces services-là. Ils sont déjà déployés quelque part dans une adresse quelconque. Vous pouvez les orchestrer de cette manière-là. Mais quand le nombre de microservices s'ajoute et disparaît, il change d'adresse, oui, il y a un problème. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation où le nombre de microservices devient très important, et en même temps, il y a des services qui vont s'ajouter, parfois qui vont changer d'adresse. Alors, dans ce cas-là, on a besoin de combiner l'orchestration en utilisant, bien sûr, le service d'enregistrement. Donc, on a besoin de créer ce service d'enregistrement. Alors, comment créer un service d'enregistrement? La même chose, pour créer un service d'enregistrement, vous aurez juste besoin de créer un projet qui utilise une seule dépendance. Alors, c'est quoi cette dépendance? C'est Orca Server. Alors, en fait, parmi les services d'enregistrement qui sont fournis dans Spring Cloud, il y a Eureka Server qui est fourni par Netflix. Donc, la majorité des services de Spring Cloud, généralement, ils sont développés par Netflix parce qu'ils sont déjà en production chez Netflix, donc ce qui fait qu'ils sont très populaires. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, tout simplement, vous créez un projet. Et après, vous allez juste ajouter cette annotation dans l'application. Alors, dans l'application de votre microservice, vous ajoutez Enable Eureka Server. Et vous démarrez l'application. Alors, dès que vous démarrez l'application, par défaut, Eureka Server utilise le port 8761. Par défaut. Donc, si vous voulez le changer, vous pouvez le spécifier avec server.port. Alors, autre chose. Il y a deux propriétés de configuration qui sont utiles. Bon, la première d'abord, c'est Eureka Client Registry with Eureka, vous mettez false. C'est pour dire tout simplement au serveur Eureka, ce n'est, parce que lui-même, c'est un microservice. C'est pour lui dire ce n'est pas la peine de t'auto-enregistrer. Parce que si vous ne faites rien lui-même, il va publier sa référence dans le service d'enregistrement. Et comme c'est lui-même le serveur, donc il n'a pas besoin d'enregistrer, c'est-à-dire de s'auto-enregistrer, si vous voulez. Alors, pour ne pas s'auto-enregistrer, donc vous mettez cette propriété à false. Alors, la deuxième propriété également qui est utile, c'est Eureka Client Fetch Registry.
C'est pour lui dire de ne pas cacher les clients locaux parce que c'est un serveur. Donc, principalement, donc c'est deux propriétés que vous allez utiliser pour pouvoir configurer ce service. C'est clair? Alors, si vous démarrez cette application, vous accédez à votre navigateur, vous tapez localhost 8761 et qu'est-ce qu'il va vous répondre? C'est Eureka Server, c'est le service d'enregistrement. Et qu'est-ce que vous voyez ici? Vous pouvez voir par exemple la liste des instances. Alors pour le moment, il n'y a aucune instance qui est enregistrée. Donc parce que vous venez de démarrer le service. Mais tout à l'heure, quand on va redémarrer ces services-là, ben, on va voir que ici on peut voir la liste des microservices qui sont démarrés dans notre application distribuée. Alors c'est ce qu'on va faire. Maintenant, on va revenir vers les services Customer Service et le service d'inventaire. On va essayer donc de. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va activer ça tout simplement. Rappelez-vous, Spring Cloud Discovery Enable True. On va la mettre à True. Et après, on démarre les services. Alors, si vous les démarrez, qu'est-ce qui va se passer? Dès que vous les démarrez, vous allez voir ici, il y a deux services qui ont été démarrés. Donc, il y a Customer Service et Inventory Service. Alors, vous voyez bien ici, donc, qu'est-ce qu'on utilise là? Qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise le nom du microservice. C'est pour cela que je disais que pour chaque microservice, il faut utiliser Spring Application Name et vous spécifiez le nom du microservice. Et là, on voit bien sûr donc le nom de la machine ou l'adresse IP et le port. Donc, ça, c'est ce que vous allez voir souvent. Quand vous êtes en réseau, vous allez voir les adresses IP et le port de chaque application. Donc, maintenant, presque, on est tranquille. Pourquoi? Parce que si vous démarrez ce service-là, maintenant, vous pouvez démarrer autant de microservices. Sachez que tous les microservices que vous démarrez, automatiquement, ils vont s'auto-enregistrer dans le service d'enregistrement. Alors maintenant, comment configurer notre gateway maintenant? Parce que notre gateway, la même chose, cette fois-ci, on va lui dire, parce que tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait? Dans notre gateway, nous avons utilisé des routes statiques, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on connaît déjà l'adresse, le nom de domaine de où se trouve le microservice. Donc ici, on est censé connaître l'adresse du service qu'on va contacter. Mais si on ne le connaît pas, alors si on ne le connaît pas, et bien tout simplement, on va faire. Il y a deux manières de le configurer. Donc soit vous le faites toujours en utilisant des routes statiques, mais en utilisant soit via le fichier application YAML ou bien via la classe de configuration. Donc vous retournez l'objet builder routes. Et après, vous spécifiez donc les différentes routes. Et chaque route, vous spécifiez par exemple le prédicat path, customers étoile. Mais sauf que cette fois-ci, je n'ai pas besoin de connaître l'adresse où se trouve le service. Donc je vais utiliser LB. LB, ça veut dire load balancer. C'est-à-dire, je demande au service d'enregistrement d'utiliser le load balancer. Alors ça veut dire quoi? Automatiquement, il va contacter, il va envoyer une requête vers le service d'enregistrement. Qu'est-ce qu'il va lui donner? Je connais que le nom du micro-service. C'est Customer Service. Et après, il va récupérer l'adresse. Et automatiquement, il va le contacter. Donc ça veut dire ici, donc je n'ai plus besoin, comme tout à l'heure, je n'ai plus besoin de connaître l'adresse. Et en plus, l'avantage, c'est que si vous avez plusieurs instances, si vous démarrez plusieurs instances d'un même microservice, c'est-à-dire le service customer, vous avez démarré par exemple deux instances. Je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ici. Alors, si vous avez deux instances, la première requête, il va l'envoyer vers la première instance. La deuxième requête, il va l'envoyer vers la deuxième instance. C'est-à-dire, il utilise ce système d'équilibrage de charge. Donc, ce qui vous permet d'instaurer la scalabilité horizontale. Donc, dès qu'il y a un problème de performance, il suffit de démarrer de nouvelles instances et ça va soulager votre système. C'est la scalabilité horizontale. C'est bon? Mais tout ça reste toujours statique. Ça suppose que vous connaissez déjà les noms des microservices, n'est-ce pas? Ici. Ça suppose que vous connaissez les noms de tous les microservices. Mais maintenant, si vous ne connaissez même pas les noms des microservices, c'est plus simple.
Vous allez faire ça. Ah, tout simplement dans le service Spring Cloud Gateway, on va tout simplement créer une configuration suivante. Vous créez une méthode, par exemple Dynamic Routes. Donc vous créez un bin qui retourne un objet de type Discovery Client Route Definition Locator. Donc ici, cette méthode-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va juste retourner un objet New Discovery Route Definition Locator. Et après, bien sûr, il va recevoir deux paramètres. Alors, quels sont ces deux paramètres? Le premier, c'est Reactive Discovery Client. Le deuxième, c'est Discovery Locator Properties. Donc, ça, il va vous les injecter. Alors, si vous faites ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, au niveau de l'URL, dans l'URL, regardez ce qui se passe. Donc, à chaque fois que vous mettez, par exemple, localhost 8888, ça, c'est le proxy. La première des choses que vous spécifiez dans l'URL, c'est quoi? C'est le nom du micro-service. Donc ici, c'est Customer Service. Et après, vous dites qu'est-ce que vous voulez? Customer slash 1. Alors, automatiquement, ici, le système de routage dynamique, il sait pertinemment que dans l'URL, il récupère d'abord le nom du microservice. Et après, il va contacter le service d'enregistrement. Il récupère l'adresse et après, il va le contacter. Donc, ça veut dire que notre service. Gateway, maintenant la seule configuration qu'on va faire c'est ça. Mais bien sûr, à condition d'activer la propriété Spring Cloud Discovery Enable, vous la mettez à true. C'est par défaut, Par défaut, c'est true. Donc, c'est-à-dire, si vous le faites par false, il suppose dès que vous avez dans votre projet une dépendance Spring Cloud Discovery Client, automatiquement, dès le démarrage, alors, dans les anciennes de Spring Cloud, il faut toujours ajouter à la méthode Enable Discovery Client, la notation. Alors, après, vous n'avez plus besoin. C'est-à-dire que par défaut, même si vous ne le faites pas, il active. Donc, ce qui fait que si vous ne voulez pas utiliser cette dépendance, il faut la désactiver. Donc, ça, c'est comme ça que. C'est clair? Bien, alors maintenant, donc ça, c'est une manière de configurer les routes, soit d'une manière statique. Dynamique en passant par différentes possibilités. Maintenant, juste un petit mot sur les filtres. Hein? Alors, pour tout à l'heure, je vous ai montré comment configurer des routes. Supposons, je ne sais pas si vous connaissez une API qui s'appelle Rapid API. Non? Rapid API. Rapid API, en fait, c'est un serveur qui donne beaucoup d'API publics, n'est-ce pas? Vous avez un ensemble d'API publics, donc vous pouvez utiliser. Vous trouverez plein d'API. Il y en a, ça nécessite juste de créer un compte pour pouvoir accéder à ces API. Si vous créez un compte, vous avez une API key que vous devrez utiliser pour pouvoir accéder à ce service, n'est-ce pas? Alors maintenant, vous avez par exemple une API qui s'appelle REST countries rapidipi.com. Alors par exemple ici donc c'est une API qui vous permet de retourner la liste des vous pouvez trouver la liste des pays après par région en Afrique en Europe etc. Donc vous avez en quelque sorte une API qui vous donne des informations à ce niveau-là. Donc ce qu'on va faire c'est que notre gateway on va essayer de la configurer de façon à ce qu'il nous permette d'accéder à ces services-là pour le client. Alors pour cela, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va si mais donc pour ces services gateway, dans Rapid API par exemple pour accéder à une API, donc il faut envoyer dans la requête HTTP deux en-têtes, deux headers. C'est-à-dire il exige si vous voulez accéder au service, il faut envoyer dans votre requête HTTP deux headers. Le premier c'est Rapid API. Non, c'est pas ça, c'est X Rapid API Host, dans lequel vous mettez le nom de domaine de cette API, donc il faut le spécifier. Le deuxième, c'est X Rapid API Key, ça c'est la clé. Alors cette clé-là, vous allez l'obtenir une fois que vous créez un compte sur ce site de Rapid API. Alors maintenant, pour le faire avec Spring Gateway, donc je vais configurer des routes.
la première route. Donc, je vais dire par exemple, si l'utilisateur envoie une requête HTTP avec un path qui contient slash rest country slash étoile, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord ajouter un filtre. C'est normal. Pourquoi? Parce que cette requête que j'ai reçue, je vais d'abord lui ajouter deux entêtes. C'est-à-dire, c'est la gateway. Il va ajouter les deux entêtes. Ça veut dire que l'utilisateur n'est pas censé envoyer la requête lui-même. C'est-à-dire, il n'est pas censé envoyer dans la requête ces deux entêtes. Alors, donc, parmi les filtres, il y a Add Request Header. Donc, je vais utiliser un ensemble de filtres. Le premier, c'est Add Request Header, dans lequel je vais ajouter l'entête qui me permet d'ajouter à la requête reçue l'entête X Rapid IPI Host. Et là, la valeur que vous mettez, parce que ça, c'est exigé. Et la même chose, donc je vais ajouter également un autre header avec X Rapid IPI Key. Ça, c'est la clé que vous obtenez, comme je disais, pour accéder. Il y a des API qui nécessitent de les activer, en fait, de faire une souscription et dans lequel vous trouverez le service gratuit. Et après, il y a des services payants. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Alors maintenant, quand je vais utiliser slash rest country slash étoile, je vais envoyer une requête vers quoi? Vers quelle URI? Donc, on va envoyer une requête vers l'URI suivante. C'est HTTP REST countries, etc.com, n'est-ce pas? Mais dans cette URI, je vais c'est-à-dire dans la requête, il y a deux entêtes qui vont être envoyées. Mais maintenant, je dois mettre quelque chose, slash quelque chose, parce que l'API, il offre beaucoup de choses. Alors c'est pour cela, donc je vais utiliser un autre filtre qui s'appelle Rewrite Path, parce qu'en fait, le path que j'ai reçu à partir du client, ce n'est plus le même path que je vais envoyer vers le service. Donc j'ai besoin de le réécrire, de le changer. Et qu'est-ce que je vais mettre? Ben, tout simplement, je vais écrire slash REST countries, parce qu'en fait, pour pouvoir accéder à cette API-là, donc je dois utiliser restcountries.rapidipi.com/restcountries. Non, c'est pas ça. C'est plutôt slash. Voilà. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, le path que je vais utiliser, donc je vais prendre dans rewrite path, il reçoit deux paramètres. Une première expression régulière qui va être remplacée par une deuxième, c'est-à-dire il y a une chaîne qui va être remplacée par une autre. Donc on va lui dire que toutes les requêtes dont le path est slash rest country slash quelque chose. Alors ici donc je vais utiliser une expression comme ça, segment. Donc ce segment-là, ça peut être slash par exemple country, ça peut être slash slash par exemple région, etc. Donc en fonction de l'API. Et après je lui dis donc quand je reçois, donc ça c'est une expression régulière. Si je reçois là, donc je vais tout simplement envoyer la requête avec slash segment. Donc ça veut dire que finalement, la requête qui va être envoyée vers cette API, il ne contiendra pas REST countries. C'est-à-dire, ici, donc c'est une manière de dire, je supprime REST countries et je garde que ce qu'il y a dans étoile. Alors pourquoi? Tout simplement parce que si je le fais pour cette API, je vais également faire la même chose. Par exemple, dans le même service, vous avez d'autres API, Muslim Salat, donc je ne sais pas si vous l'utilisez, donc c'est une API REST qui permet de retourner la liste, en fait, l'horaire de prière, n'est-ce pas? Alors si vous voulez accéder à ça, la même chose, donc vous allez utiliser des filtres, on va ajouter donc il faut juste consulter la documentation, vous trouverez, il faut ajouter donc cette entête avec cette valeur-là. La même chose, toujours c'est l'API key et je vais tout simplement supprimer avec rewrite path, je vais supprimer donc cette valeur, c'est-à-dire du path que je vais envoyer vers l'API elle-même. Alors c'est juste pour vous montrer en quelque sorte qu'on fait la configuration via soit YAML ou ça, donc vous pouvez ajouter des filtres. C'est-à-dire, je reçois une requête. Alors, quand je reçois une requête, comme je disais, donc on va appliquer quoi? On va appliquer. Il y a les prédicats. C'est quoi path? Path, c'est un prédicat. Et le prédicat, si je reviens en arrière,
Tout ça, je l'ai dit au départ. Voilà. Alors, le système de routage de Spring Gateway, Cloud Gateway, pour chaque route, on a un prédicat et un ensemble de filtres. Alors, pour le prédicat, on va choisir. Par exemple, si vous mettez, nous, on a choisi path. Ça veut dire que la condition de routage, on va la chercher dans le path. Mais parfois, on peut la chercher dans la méthode, on peut la chercher dans le host. Donc, on peut la chercher. Il y a d'autres prédicats, comme je disais. Donc, on peut ajouter after, après une date, avant une date, entre une date et une date. Donc, tout ça, vous pouvez spécifier tous ces filtres. Les cookies, header, query, remote address. Donc, tout ça, c'est des prédicats qu'on peut utiliser dans la route. Une fois que vous appliquez un prédicat, vous pouvez ajouter un ensemble de filtres. Normalement, les filtres, c'est que quand j'ai une requête, avant de l'envoyer vers le service destination, je peux la filtrer. Je peux ajouter des entêtes, je peux supprimer des entêtes, je peux ajouter des paramètres, je peux faire pas mal de choses. Et quand je reçois la réponse, je peux faire la même chose. Dans la réponse, je peux ajouter des entêtes, je peux ajouter des propriétés, je peux supprimer des contenus, etc. Donc, je peux faire un tas de choses. Donc, en tout cas, vous avez un tas de filtres qui sont utilisés. Alors, faites la documentation de Spring Cloud. Alors, si vous cherchez la documentation de Spring Cloud, ils vous montrent comment faire tout ça facilement. Moi, je vous ai donné un résumé de Spring Cloud Gateway. Alors, si vous accédez à la documentation de référence, donc vous allez trouver des exemples pour chaque cas. Alors, vous voyez principalement, il vous écrit toujours la configuration en format YAML. Vous voyez par exemple after? After, c'est-à-dire quoi? Vous avez une configuration, vous dites ID, URI. Predicates after. After, ça veut dire quoi? C'est-à-dire si la requête est envoyée après cette date. Before, between, cookie, header, host, etc. Alors ça, c'est pour les prédicats. Également, vous trouverez pour les filtres, pour chaque filtre, il y a des exemples. Voilà. Alors si vous faites cette configuration, vous ajoutez cette configuration, voilà ce qu'on va avoir. Alors, si vous mettez par exemple, voyez, donc ici, à travers ma gateway, je mets par exemple Muslim Salat slash Marrakech slash Daily slash 5.json, parce qu'en fait, l'API, il vous donne 5, en fait, je crois, 5 modes il y a, en fait, 5 modes pour qui est utilisé pour avoir l'horaire des prières. Donc ici, et après vous allez trouver les réponses ici. Voilà, donc vous trouverez pour chaque partie. Alors, au lieu de daily, vous pouvez utiliser weekly, par exemple. Pour toutes les semaines. Et après, si vous mettez rest countries slash all, donc je vois donc la liste des pays. Ainsi de suite. Et si vous ajoutez par exemple slash voilà, région, Africa, donc vous allez avoir les pays de la région Afrique. En tout cas, donc je vous montre juste ici que en fait, à travers cette configuration, vous êtes en train de, dans votre application, de créer une gateway vers un ensemble de services. Et parmi ces services, il y a des services que vous allez créer vous-même, mais vous pouvez composer d'autres services, c'est-à-dire vous utilisez d'autres services qui sont déjà publiés et que vous pouvez intégrer dans votre application. Et après, si vous mettez. Moi, je crois. Et après, vous pouvez consulter bien sûr le service customer et les autres, parce qu'ils sont déjà intégrés dans l'application. Alors, parmi, ici, tout ce qui reste à faire, on va utiliser
le service que nous avons déjà inclus, que nous n'avons pas exploité, Esterix. Alors, Esterix, si vous voulez, c'est une dépendance qui permet de faire pas mal de choses, comme je disais. Parmi les possibilités, donc, il vous fournit un moyen de créer ce qu'on appelle un circuit breaker. Donc, c'est dire tout simplement, quand le service n'est pas disponible pendant, par exemple, 5 secondes, c'est pas la peine d'attendre, tu envoies une réponse au client. C'est toujours. On peut faire des choses comme ça. Si le service il est indisponible, on va pas le service proxy, il va pas en fait générer une erreur, mais plutôt il va générer une réponse par défaut. Il peut utiliser son cache, etc. Et censé c'est toujours améliorer les performances. Okay. Mais également avec Esterix, on peut ajouter ce qu'on appelle Esterix Dashboard. Alors en fait, Esterix Dashboard, c'est quoi? C'est un service qu'on va déclarer, qu'on va démarrer. Et qui va directement recevoir, qui va se connecter à la gateway. Et après, vous allez tout simplement, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Et vous allez recevoir un dashboard qui va vous permettre de voir, c'est-à-dire au fur et à mesure que les utilisateurs accèdent au service, vous pouvez voir une courbe, vous pouvez voir plein de détails, comme quoi le service, plutôt le service customer, l'accès, la réponse, la durée de la réponse. Vous trouverez par exemple, vous trouverez en tout cas pas mal d'informations qui vous permettent de faire des monitoring. Vraiment, vous avez un tableau de bord qui vous donne par exemple s'il y a l'accès à un service issue, vous voyez bien que c'est en fait c'est le circuit breaker qui a donné la réponse. Donc vous trouverez tout ce qui se passe parce que tout le trafic de votre application passe par ce service. Du moment que tout le trafic passe ce service-là, eh bien, c'est très important de brancher un dashboard. Donc, ça, c'est le dernier point qui reste, qu'on va essayer donc d'inclure la prochaine fois. Okay? Mais dans un premier temps, on va juste on va essayer donc de voir cet exemple-là. Il vous montre juste un exemple très simple qui permet de créer quelques microservices et après de faire une simple orchestration à travers un service gateway. Alors, comme je disais, vous pouvez utiliser Zul Proxy ou bien vous pouvez utiliser Spring Cloud Gateway. Mais aujourd'hui, plutôt donc depuis la version 2, donc il vaudrait mieux utiliser Spring Cloud Gateway parce que ça a été développé en se basant sur Spring Reactive. Et Spring Reactive, c'est quelque chose qui est basé sur, donc, comme je disais, des entrées-sorties non bloquantes, ce qui permet donc d'améliorer les performances de votre application. Questions? Alors, elle reste juste la démonstration. Donc, mais à travers ces explications-là, donc on pourra donc entamer pratiquement les prochains TP et on essaiera donc d'implémenter cette structure.